est la même. Je sais que voilà, les concurrents sont là pour progresser, pour essayer de me déloger. Et moi, si je veux rester aux avant-postes, il faut toujours progresser, il faut toujours aller rechercher plus loin, chercher des nouveaux exercices. Et voilà, je suis un compétiteur, donc les jours de compétition, j'aime bien cette petite pression, cet engouement. Et voilà, j'ai encore envie de goûter à ça. Voilà, maintenant, j'ai pas vraiment autant de pression sur le saut, parce que je sais qu'en ski de fond, je peux rattraper mes erreurs. Voilà, au saut, l'objectif maintenant, c'est d'être placé, d'être dans le groupe de tête et d'être bien placé. Et après, en ski de fond, c'est là que je vais essayer de faire la différence. Non, j'aime pas trop en fait imaginer déjà avant. Déjà, brûle beaucoup d'énergie. Et en plus, si jamais on s'imagine un scénario et que ça se passe pas comme prévu, ça peut vite être stressant. Alors après, j'aime bien voilà, m'imaginer là-bas, savoir où est-ce qu'on va être, le tremplin, la piste de ski de fond. Mais je fais pas encore de scénario de course parce que on verra bien, il faut s'adapter le jour J, vraiment, il faut que ça soit instinctif.